on va vous présenter quelques images de l'évaluation comportementale de Milton. Milton, c'est un petit poméranien de 7 ans, qui est super beau, qui est super adorable, mais il y a quelques problèmes. Il jappe beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup de jappements excessifs, qui a même des plaintes, justement, là, des voisins, beaucoup de plaintes, donc c'est pour ça la raison, justement, que Milton est à l'adoption. Mais c'est des choses qui se travaillent, mais ça va demander du temps pour travailler, justement, là, ces aboiements excessifs-là. Milton aussi, il peut sembler un peu des fois indépendant avec les autres chiens, mais quand il arrive en contact, il peut avoir des petites réactions. Il peut être un petit peu intense. Puis la même chose aussi des fois avec les personnes inconnues. Il aime pas ça aussi, vous allez voir là, durant l'évaluation. Il peut réagir là, quand on vient faire quelque chose qu'il n'aime pas. Là. C'est ça, vous allez voir qu'il est tout petit, mais il peut avoir du caractère. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher vraiment des personnes qui sont prêtes à mettre beaucoup de temps. Je veux dire, oui, tout le monde va dire « Ah, il est super beau, c'est une belle petite boule de poils toute noire », mais c'est pas un chien qui est pour tout le monde. Donc, si vous n'avez pas de l'expérience avec les chiens, ben ça ne sert à rien de faire une demande d'adoption parce qu'on cherche quelqu'un là, qui est prêt à mettre du temps pour ses aboiements et ses problèmes de comportement. Une fois que ça va bien avec Milton, par contre, il est super gentil, il est super adorable, mais ça ne sera pas un chien qui va être pour tout le monde. Donc, on vous laisse sur quelques images de son évaluation comportementale. Merci. De Milton, le poméranien. Il est super cute, super enjoué, très énergique. Milton, son petit problème, c'est qu'il jappe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour être vraiment prêt à avoir un chien qui jappe, même si ça peut se travailler puis diminuer un petit peu, il y a tout de même des risques que ce soit un chien qui puisse déranger le voisinage. Alors, il faut vraiment être conscient que si on adopte Milton, il va japper. Ça peut diminuer un tout petit peu, mais c'est un chien qui jappe beaucoup. Milton est également un petit peu craintif lors des approches, principalement plus par rapport aux hommes. Si on approche directement, si on se penche au-dessus de lui, si on approche trop brusquement notre main, il peut devenir un petit peu plus agressif par peur et tenter de mordre. Il a déjà même mordu lorsqu'on l'a toiletté et lorsqu'on se justement penchait au-dessus de lui trop brusquement comme ça. C'est par contre un chien qui est très enjoué, très énergique, qui aime beaucoup, beaucoup jouer à la balle, à toguer. Il aime beaucoup les gâteries également. C'est juste qu'il faut bien prendre le temps de le mettre en confiance.